Et salut à tous, c'est Tito Goffel, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo semaine. On est sur une semaine qui est plutôt énorme. Comme tu peux le voir, il y a pas mal de vélins, beaucoup de vélins, beaucoup trop de vélins. Du coup, on a 3200 vélins mystiques que je vais pas vous ouvrir sous les yeux parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Et je sais que toi, ce qui t'intéresse, c'est évidemment ces vélins-là. Donc ce que je te propose, c'est que je summon dans mon coin tous ces vélins-là. Je te fais un petit feedback de tout ce qu'on a à drop et après on est parti pour la suite de la semaine. Donc j'espère que cette petite vidéo te plaira. Si c'est le cas, bien n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu. Et nous directement on est parti avec la semaine. Bon les gars, faisons un petit compte rendu de ce qui s'est passé pendant cette première salve d'invocation. Du coup nous avons summoned 3500 vélins mystiques. Et nous avons eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 3 Bunkshul, 14, 15, 16, 17, Nat 5 en 3500 vélins. Ce qui signifie qu'on est dans les rates. On est dans les rates. Donc on a eu pas mal de nouveaux parmi tout ça. Et du coup, on va aller maintenant summon le reste et puis on ira faire la grosse summon LD qui nous intéresse. Il reste 273 vélins spéciaux des 10 ans, 4 The Witcher, 3 spéciaux des 9 ans. 279 vélins spéciaux des 9 ans, 4 transcendances, 23 tout attributs, 62 légendaires et un peu plus de 140 LD parce qu'il y a les dupes qui vont arriver. Bah écoutez, on est parti pour les vélins légendaires, hein. C'est parti. L'économie de Zaza, ouais, de fou. Hein. Un Byung-Chul, il y en a déjà 3, on va pas prendre la 4ème quand même, pas 4 Byung-Chul, faut pas abuser. C'est trop grave. Ouais, bon. Bon, ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon. Bien chaud, du coup. GG. Rate-up ou pas? Ouais, il y a les rate-up, il y a les rate-up. Bon, bah, 4 bien chaud, du coup, GG. Hein. Ah bon. En vrai, c'est bon, on n'en veut pas plus. Bientôt la full tour, imagine. Wow, c'est une folie quand même. Hein. La tour de Byung-Chul. Mais je pense que ta guilde t'adore là. Hein. D'ailleurs, attendez, juste petit aparté, ça dit quoi la guilde? Ils sont... Oh, ils sont... Ok, il y en a un qui ça va, mais les autres, ils s'en battent les reins. Ils s'en foutent complètement. Hein. Oh là là, ils en ont rien à secouer. Hein. T'es en train de leur carry le fiac là, t'es en train de carry à toi tout seul la guilde. Ils en ont rien à secouer, hein. C'est trop grave. Elle a pas eu mon servir de skill up, c'est exactement ça. C'est quoi sa wishlist? Bah écoute, il voudrait une Vanessa, il voudrait Chandra, et puis bah, il lui manque tous les derniers mobs en fait, parce qu'en gros, ça compte qu'il y a. Invoquer tous les mobs anciens et qui, à mon avis, a fait une pause, a économisé ses vélins et du coup, n'a pas tous les nouveaux mobs. Quoi. Donc, vraiment, tu regardes les 2-3 dernières lignes des nouveaux mobs qui sont sortis, il les a pas. Donc, forcément, c'est tous des mobs plus ou moins wishlist. Mais là, ce qu'on veut, c'est Chandra et Vanessa. C'est pas assez famous, Ito. Ouais, non, je suis pas comme VK, malheureusement. Ils te connaissent pas, Skip. Ouais, non, bah non. El Lucky. Ça, c'est Aknaf le truc qu'on a eu là ou pas? J'ai même pas fait gaffe. Ah non. J'ai cru. 18 à 5 en tout. 15 plus 2. Non, 16 non? 16 plutôt plus 1, 16. Je crois qu'on a qu'à 16. Que à 16. Bon, ces vélins-là, il faudrait au moins qu'on en ait 3, 3 ou 4. Bon, bah voilà, hein. Nouveau, nouveau, voilà. Petite Bloodia, ça va pas. Bon, en vrai, j'aimerais quand même pas qu'on chope encore à Byung-Chul parce que si on en chope un, ce serait vraiment trop abusé, genre. Parce que dans le chat, je suis sûr qu'il y en a plein qui ont pas Byung-Chul et je pense que tu les. Bah, tu leur fais déjà assez serrer les dents.
En tout cas, en termes d'Asura, on a droppé beaucoup avec les 3500 Vela Mystique. Ça, ça fait plaisir. Tu vas pouvoir scope des Vritra. Après, je pense que t'as pas Vritra sur le coup. Il va falloir le dropper avec les Nat 5, enfin les LD plutôt. On va essayer. Jokadoka. Bah, moi, j'ai les deux autres. Il me manque juste Byung-Chul. Oh, Princesse. Avec Sapsali. C'est quoi la meilleure def siège avec Byung-Chul? Les pros du siège, donnez-moi un petit peu vos idées là, s'il vous plaît. Je pense qu'avec Sylvia, c'est pas mal. T'as Sylvia ou pas? Mais sinon, globalement, ouais, c'est Doigt Vivant plus 2, c'est bien. L'eau est vraiment bien. Ouais, mais j'ai l'impression que pour qu'il soit vraiment bien, il faut qu'il soit joué avec des mobs qui ont des bas speed élevés aussi, comme Laura ou quoi, tu vois. J'ai l'impression que c'est vraiment dans ce genre de compo que ça brille plus. Ouais, Byung-Chul, Tessarion et LD, c'est ça. Hein. Ça marche pas mal aussi. Avec Byung-Chul, Tessarion plus LD, avec attention, pas du tout Alic pour Yujin, avec une réduction feu sur le mob Dark. L'énorme bâtard. Yo, Yujin. Et ça, Devraja, j'ai un Salwin Rate sur ce def. Ah ouais, avec Devraja, carrément. En vrai, ça pourrait fonctionner sur le papier. On peut avoir un autre Natsak, s'il te plaît. On en a eu que deux. On voudrait au moins un troisième, s'il te plaît. Sinon, on est en dessous des rates pour les Vela légendaires. Après, c'est vraiment des scams, ces Vela. Moi, je ne leur fais pas confiance. Impossible d'avoir un Natsak LD. Ok, Natsak, pardon. Ok, bah du coup, Natsak, GG. Bah ok, il suffit de demander en fait. C'est qui des Varaja? C'est les Indra Dark. Ok, fine. Maintenant, qu'est-ce qu'on invoque? Il donne quoi ce Vela là? Ah, il donne que des bénés celui-là. Vas-y, on le fait. C'est que des bénés, ouais, celui-là, je me rappelle. Mais il n'y a pas les rate-up du coup. Et oui! C'est que des bénés. Witcher, ouais, on fera après. Ah oui, non, t'as raison, il fallait Witcher avant. T'as raison. Go the Witcher d'abord. T'as raison. Oh! Etherlight. Bon, elle est un peu sus, mais c'est cool si elle se fait buff. Ok, maintenant on peut partir sur ce vélin là. Ah non, mais il faut faire les transcendances avant aussi du coup. Parce qu'en fait, si on chope... tu vois ce que je veux dire? Si on drop un nouveau là et que derrière on chope une béné à 3, c'est mieux d'invoquer les transcendances avant. Bon, c'est embêtant, mais on va jouer l'optimisation quand même. Du coup, on va faire les 3 transcendances maintenant. Allez, c'est parti. 4 transcendances, est-ce qu'on va avoir 4 nat 5? La question que tout le monde se pose évidemment. Merci pour le follow, Xiaolim. Oh, nice, ça c'est cool, Lucia, nouveau, parfait. Pas de Byung-Chul, please, pas de Byung-Chul. Oh, nice, siège nouveau, Alia, parfait pour siège, incroyable. Toi qui voulais jouer siège. Oh, encore Arakan, on en a déjà eu un. Et enfin, Abelio, tu l'avais? Ah, dommage, excellent mob aussi. Ah, Chandra Vanessa, c'est ça qu'on veut, les gars. Allez, là. ₹24,25 en tout, c'est pas mal. Hein. Tu le step up que ça fait. Genre là, là sur le jeu, t'as des trucs à faire après. Hein. What the fuck. Hein. Et c'est pas fini. Ok, je vais déjà faire une prédiction, les gars. Prédiction. Comme ça, on perd pas de temps. Petite prédiction pour est-ce qu'on va avoir un Natsak LD ou pas. Et je vais mettre 5 minutes, non 10 minutes même pour la prédiction. Il y aura plus de 150 vélins LD, les gars. Il y aura plus de 150 vélins LD. Plus les vélins des 10 ans. Donc il y aura vraiment pas mal. On dit ce qu'il est probo, ça peut être bien.
Je mets 10 minutes. Oh, du scope. Merde, scope robot, je pense que c'est le plus intéressant. J'en ai pas mal. Des robots? Ok. Ok, 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 ok. Il y a combien de villes en stock? Aucune idée. On pourra aller regarder après si j'oublie pas. Ça, c'est pour Cadiz ou Juliane. T'as vu ou pas? Oh, bah nice. New. Excellent. Hacker. Vent. Bon, je l'ai, je l'ai pas encore joué. Mais je suis sûr qu'il y a moyen de faire des trucs sympas avec. Ooh, nice, nice, nice. Anubis mieux. Fusion vampire. Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Après, est-ce que faire des fusions, c'est pas un peu embêtant aussi, tu vois? Et les Anubis feu, est-ce qu'on joue encore vraiment les Anubis? Vite fait quand même. Et je vois ce que tu veux dire. Tu vas me dire que ça me fusion aussi, c'est ça? Allez, ose dire que ça me fusion, tu prends 10 minutes. Bon, je rigole, je rigole. Fusion katana, c'est rapide, ah ouais? Ouais, mais après, ça prend quand même pas mal de sens, non? On va prendre ça pour les si on chope Cassandra à feu, je pense. Et B, ça shine ici, hein. Galion, jamais, on en a jamais trop peu. Parce qu'en vrai, il faut farmer quand même pas mal d'essence, ouais, en effet. Pour pouvoir faire les fusions. Bah vas-y, carbine. Et on va prendre lui, il est plus nouveau. J'imagine que t'en as moins. Ça sert de skill up de sac, Nat. Je pense que ça vaut le coup. Ça sort 4 points sur nom. Ah ouais? Ah mais c'est des racailles sur mon stream. C'est des énormes racailles. Ils croivent pas en moi. Mais à chaque fois qu'ils mettent nom, ils se mordent les doigts parce que derrière, ils se trompent. Ils ont tort. On joue les stats, frérot, désolé. Ah ouais, ça joue les stats. Ah, c'est malin, en vrai, c'est malin, c'est malin, c'est malin. On connaît les titres rate, sorry. Bah oui. Justement, du coup, il faut mettre oui. Oh! Oh, pour le siège, on est d'accord, hein. Feignant pour le siège, dupe. Paf. Nice. On joue la cote. Ah ouais, ça joue la cote. J'en aurais 3 serveurs kill. C'est pas grave. Bah du coup, je la food ou pas? Bah, de toute façon, tu regardais aucun des deux autres, donc... Oh, je vais prendre la Odin, parce qu'elle se joue de plus en plus en siège. Peut-être que t'as besoin de skill up Odin. Je fous de Fengang ou pas? Je crois que c'est overkill. Bah écoute, moi je trouve que c'est overkill, ouais. Mais bon, après, ça n'engage que moi. Tu l'avais pas, la mercenaire, c'est nouveau. Deux, c'est déjà bien, ça roule, ça roule. Et B, avoir beaucoup d'étincelles sur ce genre de vélin, c'est insane. Par contre, ça fait tellement de choix de skill up, tout ça, c'est trop cool. Ces vélins là sont vraiment broken. Bon, tu me diras, les vélins des 10 ans sont encore plus broken parce que tu peux avoir des nards 5 LD, mais ceux-ci là des 9 ans sont déjà insane. Tableau incoming, mais on peut pas avoir de sac nat. Pas de cas de LD, pardon.
L'enchanteuse de l'ordre mage. Ah, j'aime beaucoup leur skin. Là, sur les LD, t'inquiète. Bon, c'est tout ce que j'espère. Moi, j'espère qu'on va dropper un bon sac LD en vrai de vrai. Il a déjà Isis. Il a quoi d'autre? Il a Isis, il a. Zeratu et Wulyong, si je ne m'abuse. Merde, j'ai mis ce clic. Ok, une fois que ces vélins sont faits, on peut faire les vélins spéciaux des 9 ans, je pense. Ah, mais on aurait dû faire les tout attribués avant, on est trop bête. Hein. En vrai, on aurait dû faire les tout attribués avant, mais bon, tu sais quoi, tant pis, trop tard. Trop tard. Oh, je t'achète, petit O. On va l'arranger, on va l'arranger. Et. Ok, oh, on aurait dû prendre Asura, après on a droppé tellement, c'est bon, c'est fine, on a déjà les skill-up. Ok, bah du coup il reste les vélins à tout attribut, les spéciaux des 10 ans, et puis les vélins LD, hein. Waouh. Il reste que des vélins intéressants les gars. Rangeons la chambre. Les Byung-Chul. Non, c'est trop grave les Byung-Chul par contre. J'ai pété mon crâne. Je ressors tout ce que j'ai de loot. 5, 10, 15, 20, 25, 26, 25 pour l'instant. Pas mal, hein? Mixer les 10 ans et les 9 ans, t'imagines la folie, ce serait incroyable, hein? Bon. Ah, la prédiction n'est pas terminée encore. Aïe, aïe, aïe. C'est pas grave, on va quand même y aller. Là, ça devient intéressant. On va du coup invoquer ceux-là et ceux-là, puis on fera les food pour invoquer les LD. Allez, la semaine, c'est parti. Let's go, les gars. Quand t'as autant de gemmes, bah, je ferme, moi, bro. Merde, j'ai skippé les étincelles, mais quel manque de respect. En vrai, là, on voudrait le Vritra, quand même. Elle est rate up en plus. Oh. Allez, s'il te plaît. Tu vas vraiment fermer les trucs d'essence? Bah oui. Bah oui. En fait, tous les jours, tu sais que tu peux faire 10 runs pour faire des quêtes. Bah, je les fais tous les jours. Ça me fait fermer des gemmes. Et en même temps, ça me fait fermer des, du coup des petits ruisseaux, quoi. C'est quoi ta wish SLD? Oh, Mirinae, il l'avait pas. Alors la wish SLD, je peux vous la rappeler. On voudrait du coup Vritra et Bailey. Étonnant Bailey quand même, hein. En vrai de vrai, je pense que t'as mis click, hein, t'avais des gros doigts. Et puis bah Laura Neftis, je pense que c'est classique, hein, évidemment. Objectif RTA, j'imagine. Et Neftis tous les contenus. Allez, s'il te plaît, frérot. On voit des trucs, là. Au moins des notes 5, là. C'est du scam, ces vélins. C'est comme les vélins légendaires. Ça donne jamais rien. Ok, carnal, bon, dupe. Mais bon, on a eu une note 5. Bien. Ok, pas fou, hein. En vrai, pas fou. On va faire les vélins des 10 ans. C'est parti. Alors là, par contre, chaque étincelle, ça peut être une folie. Hein. Ça peut être une folie. On n'a pas encore eu d'écrou pour le vent, le light, pardon. On n'a pas encore eu de mob light aujourd'hui. Pourquoi bon dupe? Non, j'ai dit bon, ça va dupe. En mode, on va le foutre, ça va faire des LD, quoi. Oh, Chris, tu l'avais ou pas?
Oh, nice, Speed Chris, nice, ça c'est cool par contre. Nouveau. Oh, Molly. Ok, nouveau. Bon, vas-y, hein. On complète la collection en direct. Ah si, il y a Yennefer, vous avez raison, il y a Yennefer Light, vous avez raison. Nice. Oh, Figaro, bah, attends, mais... Le nom de Natsag... Attends, mais le nom d'étincelle LD combien? What the fuck? Mais nouveau? Je l'ai pas non plus, je l'ai pas sur mon crâne, j'ai pété mon crâne. Attends, mais c'est une folie quand même. Oh, j'ai cru que c'était Dova. Non, mais si c'était Dova, j'aurais pété mon crâne par contre. What the fuck? Incroyable. Eh bien, petite question, est-ce que c'est bien de mettre Laura dans la rate-up, sachant qu'elle va sûrement se faire nerf soon? Bonne question, difficile à répondre parce que bah, j'ai pas de boule de cristal. Je sais pas à quel point ils vont réussir à nerf le mob ou pas. Voilà. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est un mob qui doit se faire nerf, donc... Moi, je pense que c'est pas une mauvaise idée, mais bon, voilà, si elle se fait nerf... Si elle se fait nerf comme Nikki, elle sera quand même encore jouable. Est-ce que Cover 6 va se nerf? Oh, tu l'avais déjà, mais avoir un deuxième, c'est insane. Kinky, nice. Là, je suis sûr, dans le chat, il y en a moins un ou deux qui veut Kinky qui l'a pas. 100%. Ça, c'est insane. Incroyable. Mais par contre, les raids qu'on a en termes de LD, je sais pas, c'est une folie. Hein. Vous vous rendez compte des raids LD qu'on a là, sur ces V1 là ou pas? On a eu plus d'étincelles LD que d'étincelles 4 nat. Normaux, genre. Normal plutôt. L'opening de Kinky, ah rip. On a que des LD, on a que des LD. Frère, on a que des étincelles LD, c'est n'importe quoi. What the fuck? Bon, c'est pas une folie, c'est un HH, mais encore une étincelle LD. C'est trop, on a que ça. Waouh. Ok, quand même. Ah, tu parles de Bethany, Dodo? Ouais, Bethany, c'est bien aussi. Hein. Je coule Gisèle. Ah, oh, Gisèle, ce serait bien. Hein. C'est un bon mob de siège. Ça se joue un peu en RTA. En arène, c'est fort. C'est vraiment un bon mob, sur le coup. Gisèle. Moi, si j'avais sur mon compte, je serais trop heureux. On n'a pas une Natsak par contre, on devrait au moins en avoir un dans les raids. Après, vu tous les 4 nats qu'on a eu, je pense qu'on n'est pas trop à plaindre. Eh ben... Et on a plus eu d'étincelles LD que 4 nats. Normal, je vais péter mon crâne. C'est incroyable. Waouh, la folie. Mais n'hésite pas à envoyer un 5 nat et du coup à LD, hein. Et n'hésite pas frérot. On est là, on attend. On voit maintenant. Ah, il avait pas Jubel et il a droppé Jubel ici dans ces vélins là. J'avais pas fait gaffe. Incroyable. C'est cool en ciel, Gargouille Dark, ça va. Bah il s'est fait nerf, c'était broken, ça s'est fait hotfix plutôt parce que c'était broken. Je pense que ça reste quand même fine, ça reste un bon tank. Juste que Grégo, Diaz, tout ça reste quand même bien plus intéressant, j'ai l'impression maintenant. Je sais pas trop en vrai. Le truc c'est qu'il n'y a plus trop besoin de tank dark pour l'instant en siège. Ok, Brita. On a une note 5. J'ai cru que c'était le light à la base. Nice, nouveau. Cool. Brita, tu sais que Brita se joue en siège. Donc pourquoi pas, il y en a certains qui s'amusent à le faire en défense, à le mettre en défense. J'ai cru Bergil, ouais j'ai cru que c'est Bergil aussi. Chami, non mais étincelle 4 nat, c'est Rigged. Étincelle 4 nat les gars, il y a cheat code. Il y a cheat code derrière, c'est pas possible. On a que des nat 4, LD. Ok, bref. Pas mal hein, waouh. Bah écoutez, on va aller foutre tout ça et c'est parti pour les LD, hein. C'est le moment qu'on attend tous.
Ok, il a préparé un petit peu d'essence, c'est bien. On garde Byung-Chul évidemment, les quatre. Hop, du coup on a dit qu'on foudait le 3ème Feng Yang, on garde les 4 Byung-Chul. 4 Byung-Chul quand même, what the fuck. Et un cap des 5 notes pour la vidéo. Bah écoutez, regardez la vidéo. Tous les notes 5 qu'on a eu, ils sont là. Ils sont là les gars. Oh le streamer en carton. Oh le streamer en carton, c'est bon. Et moi je vais invoquer DLD les gars, laissez-moi tranquille. Oh non. Oh non, 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 non. Qu'est-ce que c'est que ça? La chasseresse vent. Ouais, vas-y, je la foudrai aussi. Hop. On va faire un petit récap de tous les nouveaux mobs qu'on a eu, tu vois, ça c'est intéressant. Yo Fresh, ça va ou quoi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu me veux? Comment ça 700? Ouais t'inquiète, laisse-moi tranquille, c'est pour les prochaines fois. Arrête! Laisse-moi tranquille. Ok les gars, récapitulatif de la semaine actuellement, nous avons eu hacker, vent, tranche, feu. Pourquoi je fais un récap sur cet onglet, j'en ai strictement aucune idée. On a eu 4 Byung-Chul, on a eu Bludia, on a eu Layla, pardon, on a eu Zima, on a eu... oh vas-y, elle casse les couilles, la garde macaron, vent, on a eu Lucia, on a eu Ren, on a eu Alia... Nora, Bastet, Lagmaron et on a eu Brita, voilà. Et en 4 nat, on a eu... Bon, vous venez de le voir, on vient de summon, ok. Et là, il nous reste quelques petits vélins invoqués. Jade, voilà. Ok. 179 LD, est-ce qu'on peut choper Brita? Bailey, apparemment, il voudrait... Neftis, Laura, c'est maintenant. Combien de vélins j'ai sous en tout? 3500 vélins, plus des pacotilles. Allez, c'est parti! Pour la prédiction, vous êtes plutôt favorable en nombre pour le oui, Natsak LD. Par contre, en termes de points, vous êtes plutôt pour non. Ah non, c'est revenu à la normale. C'est très équilibré. 44 pour oui, 19 pour non. Étincelle. Frigate. Frigate. Si tu l'avais pas. Oh non, tu l'avais. Ok. Bon, c'est un bon mob. Hein. La pression, zéro pression ici. On la boit la pression. Nous croyons. Tu as niqué ses ressources pour... Mais non, arrête, t'inquiète, il a refarmé comme un grand, c'est bon. Il va en avoir encore d'autres, des dupes. Il va les utiliser, ses ressources, t'inquiète pas. Je lui ai rendu service. Il y a 70 LD. Va te faire foutre. Ok, une étincelle, on est dans les rates. Nous, ce qu'on veut, évidemment, c'est pas avoir beaucoup d'étincelles. Ce qu'on veut, c'est avoir l'étincelle. L'étincelle. Siri Light. Alors, Siri Light, je sais pas si ça vaut le coup. En vrai, moi, j'aime beaucoup le mob. Et je pense qu'il manque un petit truc, quoi. Mais je vois un gros potentiel dans ce mob-là. Je me dis, tu lui mets un petit buff, là. Il y a moyen qu'elle devienne vite très forte. L'étincelle, ça arrive, vous inquiétez pas les gars, tranquille, tranquille. Comme je l'ai dit, ici on ne vise pas la quantité, on vise la qualité. Une étincelle, c'est un bon mob, tu vois.
Mireille, nouveau, tu l'avais pas, c'est un bon mob. Ça se joue en siège, c'est pas mauvais. On parle de siège depuis tout à l'heure, c'est un bon mob de siège. Bon mob, merci, t'as vu? Regarde. Voilà. J'ai pas vu qu'on se sent en siège. Contre ça, en défense, t'avais une Mireille en face de toi, t'as perdu, mais non, what? Ok, t'as celle, wait. Oh, Léa, oh, dis-moi que tu l'avais pas. Non, après, avoir plusieurs Léa, c'est toujours bien. Moi, j'aime bien avoir plusieurs Léa. Quand t'as un peu la flemme de faire des offenses sièges carrées, tu sors tes grosses offenses Léa, et le siège, il est fini en 2 secondes 30. Ma quatrième. Ben, j'en ai 4 aussi. Figure-toi. J'ai 4 Léa, et parfois, j'en joue 4. Oh, what? Et t'as celle? Wow, Mirinae, en vrai Mirinae, bien. Oh, il t'a celle back to back, wait. Ok, ok. Dragunov, bon, tu l'avais pas, c'est nouveau. Jure, tu offenses là chez Squad Zero, t'as pas vu ma dernière vidéo siège? C'est trop grave. C'est trop grave. Moi, je pensais que t'étais un vrai viewer, tu vois, le vrai gars, quoi. Le gars qui regarde toutes mes vidéos et tout, quoi. Ok, oh tu l'avais pas, Fenaka, c'est un chouache. Franchement c'est pas mal Fenaka, moi j'aime encore bien. Encore étincelle, wait. Mais on pourrait, est-ce qu'on pourrait avoir des mobs wishlist ou pas genre? Petit Vritra là, s'il te plaît, genre au hasard. Wait, what? Ok. Oh, oh bah, bah au hasard Vritra. Ok, bah voilà, il suffisait de demander. Il fallait juste demander. est-ce que au hasard, prochaine étincelle, on pourrait avoir une 9-6 s'il te plaît? Bah, je sais pas, au hasard. Cool, donc mérité. Oui, c'est ça. Allez, genre, allez, une 9-6 ou une Laura, allez, prochaine étincelle, genre tranquille comme ça, tu sais. Ok, imagine. Imagine. Ok, bon, nouveau, c'est bien. Je l'avais pas. Tu vois, en plus, je vous ambiance avec les meilleurs titres de l'été. Tu vas pas faire l'offense de Gut, let's go. Ah, Gut, je suis sûr, il a plein d'offenses sapin en plus. Hein. Ah, tu parles de l'offense arène. Ok, t'as celle. Ok, Forgeron Light, mouais. Moi, je l'aime bien, mais elle est pas folle. Ok, encore étincelle. Wow, on a beaucoup d'étincelles, hein. Ok. Bah, en vrai de vrai, ça va, non? Ça va en siège. Ok, Natsakeld. Hey, Natsakeld, prédiction validée. Je veux rien entendre. Hey, Abdelou, je te vois là, de marrer, là, parmi tous les GG, là. Tu veux quoi, Abdelou? Hey, Abdelou, là, je t'ai vu direct, là. T'es bam, tu dégages, tu sautes. Non, en vrai de vrai, on parlait d'offense avec Byung-Chul. Ça joue avec Byung-Chul, ce truc-là, non? Non? Je crois que si, les gars. Ah ouais, les raids de Zaza. De fou, hein? T'as vu ou pas? Comment il va, Abdelou? C'est pas fini. Non, c'est pas fini. GG! Point d'exclamation. Ok, mais merci. Et c'est pas fini, les gars. Arrêtez. Genre... What the fuck? Oh shit! Oh là 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 là, bon alors là, celui-là, les gars, il est pas mal, hein. What the fuck? Wouah! Bah, j'ai cher! Alors, je vous avais dit que c'est pas fini! Hé, Abdelou! Elle est sympa! Bah, bien sûr qu'elle est sympa! Elle est broken, elle est là! Elle est broken!
Elle est broken. Je pense que c'est le deuxième meilleur support du jeu en LD. Après Covarsi. Elle est incroyable. What the fuck. Non, en vrai, il y a Nikki mob support avec W. Wouah. Et c'est pas fini. Jamais 203, les gars. Jamais 203. Fresh, t'es là ou pas? Un petit GG pour le viewer ou pas? S'il te plaît. Allez, s'il te plaît, sois sympa. Un petit GG pour le viewer. Poney Light, ouais, Poney Light aussi, c'est bien. Mais là, tu vois, tu peux même la jouer en siège. En RTA, c'est broken. En RTA, c'est broken, mais en siège, tu peux l'utiliser aussi. Merci, Erwan, pour le follow, welcome. GG. Attends, c'est pas fini. Maintenant, chaque étincelle, tout le monde va avoir très très peur. Hein. Oh, les raids de fou. Waouh. Non, mais attendez, les gars, c'est une folie. Ok, Icarès, tu l'avais pas, Icarès, excellent. Excellent. Non, mais cette semaine est incroyable. Et coucou YouTube, en fait. Coucou YouTube. Mais les étincelles, what? Ok, robot light, nouveau, tu l'avais pas? On a legit une étincelle tous les 3 LD, genre. Yo, presque titre, ça va quoi? Sur MacBook, je sais pas si tu peux le faire en vrai de vrai. Mais il y a une vidéo qui est pas mal, je sais plus de qui c'est, qui montrait un petit peu un tuto pour Steam, qui marche très très bien. J'avoue, je suis pas un expert pour exporter les JSON. Hein. En vrai, les gars, si on chope pas 3M LD, j'y crois pas. Non, c'est impossible en vrai. Impossible, on chope pas 3M NATSAC LD comme ça, c'est pas possible. S'il y a Robodark, j'explose. T'as pas Robodark, Abdel? Aïe, aïe, aïe. J'avoue, Robodark avec Anne, ça fait plaisir. Ça marche bien. Arrête, Ito, arrête. J'arrête. J'arrête, je lève les mains. Qu'est-ce qui s'arrête? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'arrête. Eh, on m'a demandé d'arrêter, j'arrête. Crois en toi. Ok, je crois en moi et je recommence. Je recommence, je crois en moi. J'y crois fermement. On ne partira pas cette semaine sans 3 NATSAC LD, guys. C'était quoi les LD NATSAC qu'il a choisi dans les booster rates? C'est Laura NFT, ouais. Tu te doutes bien que c'est pas Shazam. Et là, c'est vraiment bien. Et là, Zeratul en bruiseur en RTR, c'est un cauchemar, c'est trop fort. Je sais pas, je voulais dire 2 LD que t'avais ensemble, mais il y a plein d'autres combos plus intéressants. Ok, les étincelles, extraction des étincelles, les gars, il y en a plus. C'est fini. On a fini là. Non! De l'aide mais pas l'aura force. Après, c'est genre 10-12% de chance, je pense, d'avoir celui qu'on veut dans la béné. Mais ouais, c'est unlucky, évidemment, quand tu mets les rate-up, t'espères avoir des mobs rate-up. Genre, tu sais, là, on voudrait une étincelle et avoir un deuxième Vritra, quoi. Oh, ok. La mob dark, hein, on y était presque. Mon dream est là. Ouais, moi aussi, et là, j'aimerais beaucoup l'avoir. Avec Hans en bruiser, c'est trop fort. Après, je pense que j'en ai pas besoin. Mais c'est le genre de mob qui fait rêver, moi j'aime trop. Bah, vous voulez que je drop un Anne au petit loulou là? Non, impossible. On va dropper une F6 ou Laura si on doit dropper un Natsak LD. Ok, t'as celle, wait. Ok, deuxième Figaro. Bon, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Ok, étincelle, ça revient, les étincelles. Oh, j'y ai cru. Oh, j'y ai vraiment cru, là. Bon, bah, Jin, tu l'avais pas, à nouveau. À nouveau, offense avec Dova, ça peut être bien. Ah, c'est Libli, pardon, c'est Libli. Figaro, c'est le light, hein, vous avez raison.
J'ai failli faire un AVC, moi aussi. Moi aussi. Allez, DLD, est-ce qu'on peut avoir un dernier truc, une dernière étincelle? Un mob wishlist, la Bailey, le Vritra, un attaque LD. Ça semble cuit. Ok, yeah. Bon, en vrai, je pense que peu de personnes peuvent venir à côté de moi et de dire « Tito, ta semaine est nulle. » Cette semaine est incroyable. Cette semaine est juste incroyable. J'ai pas les mots. Bah, je pense que t'es refait. What the fuck, la semaine de fou furieux que t'as eu. Petit récap du coup de tout ce qu'on t'a droppé. En AT5, sans compter les 4 nats, hein, les 4 nats LD, il y en a beaucoup. Mais de notable, on a eu ça, Vritra, on a eu Vritra aussi, on va le noter hein, quand même. On t'a eu Vritra, on t'a eu Alia, Bastet, Les Hanches, Feu, Bloodia, Zima, Lucia, Zen, Nora. Comment il s'appelle lui? Oh shit, le hacker vent. Kiat Byung-Shul, Leila, on m'a dit tout à l'heure, j'ai oublié, Jade, Lagmaron, et... Waouh, et là, plus Shazam Leia. Bon, bah, GG, hein. Bah écoute, je vais te rendre ton compte, hein. T'as des petits travaux à faire maintenant? Il y a pas mal de choses à faire. Byung-Shul x4, c'est pour nous abattre. Ah non, c'est incroyable. Moi, je l'ai pas. J'avoue que 4 Byung-Shul. Oh, le foutage de gueule. Bon, tu vas aller fermer tes essences pendant une semaine. Après, en vrai de vrai, ils ont up les rates. Il y a genre même pas une semaine. Du coup, ça fait plaisir. Je vais te rendre ton compte. Et de rien pour ça, en fait. Une écho rentable. Oui, sur le coup, c'est une écho bien rentable. Hein.